Alors, mec, il arrive, il arrive. Ça marche. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour du coup la suite. On a fait quelques petites choses quand même avant de reprendre l'épisode. On a un peu exploré la mine abandonnée. Ensuite, on a croisé un mob. Je me suis fait courser. Yotaro, il est mort par un Underman des caves. Même pas ce que c'est, frère. Je sais même pas que ça existait. On s'est fait push. On s'est fait push dans notre maison. Je veux faire l'amour! Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Oh merde! Oh, c'est con ça! Oh! Non! C'est pour ça que là, on a pris nos précautions. On a mis un petit carré, parce que sinon, on allait se faire sodomiser encore. Donc, tout simplement, on a décidé de... on pourrait même mettre ça, parce que je crois qu'il pète pas les trappes, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que ces trucs comme ça, là, il les pète pas. Par contre, il est capable de péter les portes, les vitres, et les trappes, du coup, pour sortir. Enfin, les trappes, les portillons. Donc, franchement, ça fait un peu flipper. Du coup, on va s'enfermer bien plus. On a rajouté des mods. Comme vous pouvez le voir aussi, on a enlevé Life Drain. On perdait des cœurs dès qu'on mourait. Donc, du coup, là, on était qu'à 2 cœurs. Et en fait, à la fin des cœurs, en fait, le monde s'autodétruit. Ce qui n'est pas le but en soi de la série. On l'a enlevé et on a rajouté quelques mods. Donc, vous aurez le lien du mod pack dans la description qu'on vous mettra. Donc, il y a 109 mods. On en a rajouté certains pour l'horreur, etc. Vous allez voir. Donc, on va découvrir avec vous en même temps. Oh. Wesh. Ah bah voilà, regardez. C'est quoi ce truc, frère? Wow. Hey. Attends, moi je sors, je vais le péter la gueule. Hé, hey, tu fais quoi à côté de la baraque? Il peut l'air. Normal, il était sur moi. Ah ok, ah c'est pour ça que t'as crié? Oui. Ah, let's go. Là par contre, il fait nuit là. Ah. Ah. Allez, ça commence. Allez, ça commence bien. On perd pas les bonnes vieilles habitudes, les copains. Aïe. Allez, moi je dors. Foutu un coup. Oui, parce qu'en plus, on était en train de vérifier si les mods et tout, ils étaient ok. Donc je vous mettrai les shader packs, les ressources packs, vous aurez tout en description. Pareil, les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et nous dire en commentaire si vous kiffez ou qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Ça nous ferait extrêmement plaisir et ça ferait avancer la chaîne tout simplement. Moi, pour moi, frère, là, on n'est pas bien. Là, faut quitter ce fer. Le fer, c'est bien mignon. Il va nous falloir de l'obsidienne, il va nous falloir des diamants, il va nous falloir des bouquins. S'enchanter. Alors... Qu'est-ce que t'as? Encore! Ouf ton inventaire, rien à droite. Y'a rien à droite. Oh, ah, non, c'est que moi. Parce que je me suis fait toucher par l'araignée. Et j'ai littéralement un truc de mutation. Tu as muté? Un effet de mutation. Ah oui, parce qu'on a rajouté un mode de mutation. Donc moi, je vais devenir quoi? Une plante. Et je vais devenir quoi? Après, je vais aller dans The Last of Us. Et je vais commencer à faire. Tu peux pas en bas dans la mine plutôt que tu fasses ton truc opti là? Alors moi, je fais pas mon truc opti, mon poussin. Je. Alors, mais en fait, poussin, le truc opti, frérot, on le sait. Le poussin, il te voit là dans la mine, donc. C'est parce que c'est sécure. Dans tous les cas, en plus, il va falloir que je mette des escaliers parce que c'est mort. Là, sinon, je vais avoir des accélérés sur tout le long de la. Oh, arrête de chialer. Je vais dire ça. Donc, ferme là, c'est bon. Dans 2 secondes, je vais pleurer, donc. Bah, viens avec moi dans la mine. Allez, on va dans la mine. Attends, tu veux pas qu'on fasse des torches avant, peut-être? Attends, t'en as combien? 7? J'en ai 8. J'en ai 7. En gros, pour vous expliquer, on a appris un peu plus sur le mode. Oh, merci. Oh, on va brûler quoi là? C'est brûle qui là à la fin là? Le stack. Je sais pas, frérot, mais ils vont brûler. À savoir, on a fait déjà une petite partie solo. On a un peu regardé aussi le temps que la vidéo sorte, etc. On s'est un peu renseigné. Ça va être le zbul, vous allez le voir. Ça va être marrant, mais ça va être aussi un peu mieux pour nous. Parce que vu que le mode est très très dur, on peut pas faire comme une vraie survie classique quoi, tout simplement. Et quoi là? Ah, c'est par là qu'on était passé? Oui. Alors, même moi, je me souviens plus, hein, parce que ça fait long. Voilà. Ok, donc là en gros, on va commencer à tout torcher. Là j'ai pas de seau d'eau. Pas moi non plus, mais y'a de l'eau. Un seau. Là mon gars c'est juste chaud. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prends des coups dans tous les sens là? J'ai pas de seau mon pote à la compote. Ça reste quand même un peu chaud, je vous montre pas la survie. Ah merci. Ah si j'avais déjà un seau. Ah, bah j'en ai deux. Attention derrière toi. Voilà. Donc ça rajoute quand même un peu de difficulté le fait qu'on se régénère pas notre santé, hein, attention. Mais c'est quand même un peu plus facile qu'avec Life Drain. Vous pourrez vous installer le mode Life Drain si vous voulez, hein, si vous voulez vous faire plaisir. Honnêtement, faites attention parce que si vous mourrez 10 fois, vous avez plus de monde. C'est de l'hardcore beaucoup plus hard, quoi. Aïe. Me dis pas aïe, on sait que t'as pas eu mal. Ouais, le cœur en moins à chaque fois, il fait quand même mal. Hein. Oui, bon. Après, on a des pommes d'or. Ah, c'est pour ça que l'or, ça va être vachement important. Là, par contre, il y a vraiment un squelette. C'est quel genre de squelette, ça, mon pote? Les squelettes avec qui nous drop les shards. Oh wesh. Putain il fait mal. Ah j'ai récupéré des bottes, oui. Des grave metal. Ah zombie villageois. Zombie villageois.
Ah, on a rajouté un mode aussi, ça tombe bien que t'en parles des villageois. Un mode qui permet de capturer des villageois à la main. C'est un peu comme une Pokéball, mais avec la main. Ça nous permettra de faire... T'as entendu ? Let's go ! Ah bah, let's go ! Je pense qu'on a tous entendu, hein. Je disais, ça pourra nous permettre de faire des cultivations de villageois un peu plus facilement, parce que, bah, vous le savez, on peut pas sortir de nuit. Bon, en tout cas, c'est très compliqué, il y en a qui le font, c'est des tarés. Nous, on se le tente pas, parce que on a pas envie de mourir, en fait. Ah, il est accompagné d'un copain. Oui. Déjà lui, et à côté, il y a un petit truc qui bouge. Ça va, toi ? Oh ! Salut, mec ! Allez, moi, je me casse, hein. Ça va, les enfants, tranquille, la famille, ouais. La famille, ouais, bah, j'ai pas envie de la connaître, ta famille, allez, hop. Non, pas trop. S'ils sont comme toi en plus. Hein. C'est moi qui me tape tout en fait. Bah, moi, c'est pas pour me déplaire, hein. Je te mens pas. Hein. Oh, frérot, frérot. Il est là, il est là. Oui. Ah. Je suis mort. Me chie dessus. Ah oui, t'es mort. A nightmare. Ah, c'est une araignée. À l'aide. C'est bon, tout va bien. Quoi, c'est... Quoi, ce bruit, mais... Eh, j'ai rajouté quoi comme mob, là? Oh, c'est quoi, ce truc? Wesh. Non. Aouh. C'était marmal. Ah bah, écoute. Mec. Ah. Il y a deux fog à la maison. Et comment ça, il est à la maison, ce fog là-haut? Mais il est devant, comme d'hab, hein, il nous fout un petit coucou à chaque fois. Je vais lui péter la gueule, moi, tu vas voir. Ah, ah non, c'est lui. Attends, normalement, je peux le bolos. Non. Mais il triche! Et elle laisse la porte ouverte! Je peux pas le niquer, ça me saoule. En plus, je peux pas régénérer ma vie. Aïe! Ah! Piste! Ah, et là, normalement, ah, bâtard. T'as plus de santé mentale. Ah, à l'aide. Ah, ça brûle. Attends. Oh. Il y avait un truc. Ouais, c'était... Aïe. Ah, bâtard. Ah. Au secours. J'étais juste pu prendre un dégât. Oh, ah, casse les pieds. Mais là on est condamné en fait. J'ai un cœur et demi, j'imagine que ta santé mentale est à zéro, donc que la mienne va tomber à zéro aussi. Du coup on évite de la merde. Ouais. Aïe, toi? Oui, c'est moi. Bah tire en cul, non? Vas-y. On a ça comme solution. Ah. Arrête. C'est pas moi. Bâtard. Là je te jure c'est pas moi. C'est qui? Y'a personne, tu peux pas. On est dans un bunker, gros, je suis obligé de me coltiner un golemon comme toi. Non, mais pourquoi ma santé mentale elle régénère pas là? Mais parce que t'es trop bas, il faut avoir un chien ou une couronne de fleurs. Bah ouais, je peux pas dormir, y'a des monstres à proximité, y'a qui à proximité, gros? Ah, y'a lui par exemple. Ouais bah oui, bah vas-y, encule-moi, je dirais rien. Bon, frérot. Il faut vraiment qu'on aille chercher du diamant. Sa mère! Je suis fait ta mère! Putain, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que t'as rajouté, bordel? Meurs! T'as des yeux dans le vide! Ça a de la vie, cette merde! Ça donne des trucs ou. Oh oui, c'est de la putride flèche! Viens, mec, viens, sors! Et regarde là-bas! Ah, y'a un squelette qui brûle! Et y'a surtout un homme araignée qui vient de despawn! Ah non, il est là! Eh, toi! T'as le Covid? Ah! Sale! À l'aide! Il a pas aimé ma blague sur le Covid, je crois. Oh non, je suis en train de muter. Oh non, fais chier. Oh non, je vais devenir quoi? En fait, ça pue la merde, les. Non! Il a un bébé. Attends. Qui lui sort du bide. Bon, mec, faut qu'on aille chercher du diamant. Je suis en train de muter. Je sais pas en quoi je vais muter. Peut-être en joli petit papillon. Je pense pas en vrai. Je suis pas certain, ouais. Vu la gueule du monstre, ça m'étonnerait. Bon, petit point non négligeable, je vais aller miner ma mine là. Miner ta mine. Ah oui. Ah. Ah bah, il est en train de crever. On a rajouté des boss. Il va mourir. On a rajouté des petits boss. Alors c'est soit des zombies, soit des squelettes, soit des araignées, soit des creepers. Et ça donne des matériaux en fonction de la vie. Donc là c'est un niveau 2 par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, il ne fait pas très mal. Ah, du diamant. Oh. Sainte mère de Dieu. Sur les côtés, non, il n'y a rien. Si. Ah ah. Te cacher. Mais tu ne peux pas te cacher loin. J'ai plus de torche. Oh la tuile.
Je dois m'exploser le crâne contre les... Oh, c'est quoi? Arrête! C'est quoi ce truc? Oh, c'est quoi? Oh. Ah putain, mais c'est quoi ce truc? Bon, résultat les amis, en tout cas, on a réussi à avoir 2 diamants. On peut se faire la table d'enchant... Ah non, on n'a pas d'opsy. Le seul moyen là d'en avoir dans ces cas-là sans utiliser de pioche, bah c'est de le trouver. Non mais avec une pioche. Ouais, dans ce cas-là, il faut 3 diamants en plus. Il faudrait 5 diamants en total là. Ouais, j'ai mon cœur qui bat, frérot. Il doit y avoir un mob en haut, sans doute. Ah, ok. Bah non, il est là. Bâtard. Oui. Viens, on le nique. Eh, bâtard. On t'a glitch, mon gars. Ah non. Putain, chier. Ah bah là, on est dans la merde. Et toi, en bas, là, en dessous. Voici notre technique. Et bah il fait jour, on peut essayer d'aller se balader. Tu veux qu'on se balade là? Ouais, on peut tenter un peu d'explo les gars. Là-bas on avait déjà été, il y avait du coup la mine abandonnée, le village. On va pas aller dans la mine abandonnée, je vous l'annonce. Il y a des spiders et tout, c'est la merde. Quoique dans celle-là j'ai pas vu de toile d'araignée, donc c'est peut-être pas une cave à toile d'araignée. Mais en tout cas, c'est pas forcément bon d'y aller. Ici il y avait quoi? On se rappelle hein, il y a l'homme en blanc. Faut que je fasse... C'est quoi ce truc de gueulemont là? Il va te battre. Oh mais wesh. Putain, mutation. Vaut mieux qu'on aille derrière nous, on part là-bas là. C'est quoi ça? Oh. T'as vu? Cours. Oh, il est stylé. Mais gros, il est pas du tout stylé. Si. Eh, viens, on essaie de le battre. Non, je préfère même pas essayer là. Non, mais viens, on se casse, il dispone au bout d'un moment. Oh, la barre de vie, il reste longtemps. Hein. On est loin pourtant là. Regardons s'il n'y a pas des pages de Slenderman aussi, vu que c'est un objectif. Oh, une maison. Faut qu'on se rejoigne, pro. Oh, attends, il y a des vaches, je vais buter. L'autre il me poursuit. Il y a le mec en noir, il me poursuit. Oh, mais c'est quoi ce truc? Wesh, non. Je suis mort. Ok, je suis pas mort, mais j'ai un demi-coeur. Attends, je vois une soupe suspecte, voir ce que ça fait. J'ai rien fait. Quoi? Tue-moi. Non? Ça a fait le lit? Oui. Pas de sommation. J'avais vraiment un coeur. Eh, j'ai une soupe de betterave si tu veux. Un peu rouge sang. Ouah, ça ira. Bon, lui, voilà. T'as pas de parents! Et là, tu queen. Oh. Alors, normalement, de mémoire, il faisait un peu plus de dégâts, quoi. Il était un peu plus agressif. Quoi ça? Oh, une cloche. Ah, non. Au secours. Oh non, pas toi. Ah, bâtard! Ah bâtard! Moi je voulais aller là-dedans. Alors là pour l'instant, à part la moisissure de ce monde, y'a rien du tout. Non mais je me suis dit, tu sais, y'a un. Ah pardon, excuse-moi. Ah, y'a un coffre. Oh! 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 Bah dinguerie hein. Attends, tiens. Non, mais pas lui! T'as pas de parents, t'es un mutant! Je suis en train de muter moi. Moi ça va. Ça va. Pour l'instant ça va. Oh là, c'est quoi cette larve là? C'est ça, on dirait alien. Ça me dégoûte. Moi je suis quelqu'un de sensible, les gars. Bon, en gros, voilà, on est sorti depuis à peu près 10 minutes. Littéralement, il s'est passé plus de choses que depuis 30 minutes qu'on tourne. Donc, bon, ça annonce la couleur de la suite des épisodes. On a encore beaucoup de choses à faire. Oh. Frère, Carglass répare, Carglass en place aussi, pompier. C'est quoi? Wow. C'est qui lui? Oh. Non, wesh! Ça a mis la nuit? Ça a mis la nuit? Il se passe quoi, gros? Il se passe quoi? Mec, t'as pas des torches? Mec, on aurait jamais dû aller là-dedans, frérot. Il y a une colonne vertébrale, gros. Y'a quoi qui me pousse là? Non, me dis pas qu'il y a le mec invisible. Y'a un mec qui me pousse là. Casse-toi. Attends, j'ai pas compris. J'ai des crânes de squelette, mais le crâne de squelette, en gros, regarde, toi aussi, il a une écriture jaune? Oui, mais ça c'est normal. Ah, ok. Ouais, donc du coup, ça sert à rien. Oui, bah comme par hasard, y'a de l'orage. Ah, bah oui, forcément, les emmerdes, ils arrivent. On est entouré de vitres, frérot. Pète le. Ouais, enlève les vitres. Oui, parce que je vous ai dit en début, il peut péter des vitres. Mais pourquoi on a eu l'idée d'aller là-dedans en fait? Bah en fait, c'est une structure, on en a pas 50. T'as plus de santé mentale ou quoi? Oui, zéro. Oh, bah il est là. Il est là? Oui, là.
Oh oh. Putain, il pleut, il fait nuit, c'est quoi ce temps de merde là? Oh, je suis en Bretagne ou? Attends, mais j'ai l'impression que la nuit elle passe pas. Ah si. Ah non. Ça siffle. Ok, il fait jour. Il commence à faire jour, hein. Quand il pleut. On continue, hein. Bah écoute, ouais. Ah putain, mais tu perds tout le... Il y a l'ambiance de la pluie. Oh, c'est quoi ce truc là? Oh, c'est quoi ça? Cours, mon Michel. Cours. Ça te suit, mec, de très très proche. Mais c'est quoi ce cheval? Les gars, ce truc fait hyper mal. Voilà, casse-toi le cheval. Oh, c'est quoi ce truc? Oh! Oh, c'est il encore est la même chose, j'ai pas envie. C'est encore la même chose, mec, on va se retaper la nuit. Salut toi. Ah! Ah! Non. Poc! Viens, on va dans le bâtiment là-bas, il y a des bonnes récompenses. Caval, Kenny, caval. Oh, il y a une maison. Oh! Ah, bah, c'est la maison que. Ah! Ah, ouais, c'est elle, ok. Oh, c'est un chaton. Pioche en fer, efficacité 2, solidité 2. Ça, c'est bien ça, non? Ah, c'est bien ça. Ah, efficacité 2. Ah, ouais, c'est incroyable ça, même. Attends, on lit. Ah, oui, il est comme ça, on a peur. Bah, pas con! Mec, ouais, on se barre. On bat les couilles, on se casse. Et dinguerie là? On se barre. Viens, on va à la tour. Il y en a trop. Cours, Michel! Mec, il y a la tour avec tout le stuff cheaté. Oui, bah. Oh, il est violé! Mec, il est en train de me poursuivre. Je vais mourir, j'ai plus que deux cœurs. Yotaro, pose un lit! Dépêche! Wouah. Viens, reviens vers moi. Attends, faut que je reprenne le lit du coup. Attends, mais j'ai plus de lit. Mais ouais, mais fallait pas enlever le lit du coup. Ah, t'avais quand même. Tu t'étais respawn dessus. Mais non, ça m'a baisé du coup. Oh merde. Bah ouais. Attends, parce que là, c'est la merde, Michel. C'est quoi ça? C'est qui lui? Casse-toi! Putain, il recule. Oui, il a l'invisible! Bien visible! Aouh! Qu'est-ce qu'il a pris? Il a bouffé quoi là? Aouh! Il est parti. Aïe! Ah! Mais je peux pas contre un. Je me casse. Vas-y, on se casse. Attends, faut que je dorme. Oh, lui, il va bien sur le char là. Oh! Il ressemble à un crack. Oh, aïe! Bon bah. Oh, y a ton cadavre! Y'a toi par son zombie! Ah, c'est ça la mutation! Putain, les gars, c'est chaud sa mère! Alors, les gars, ici, on a dit qu'il y avait des trucs un peu stylés. On est mes torches. Ok. Ok, donc là-dedans, y'a rien, c'est super, let's go. Ah, yes. Y avait que du gold et du fer. Ah, du diamant! Ah, cool. Ah, une épée en fer. Butin, Féléo des Atropodes 3 et recul 2. Pas mal. Un plastron en diamant, protection contre le feu 4, c'est le même qu'on avait. Et une pelle en diamant. Ok. Une pioche en diamant, efficacité 4. Solidité 3, touché de soi, mais wesh. Protection 2, solidité 3. Juste, regarde. Ouh. C'est pas mal. Les gars, on s'est mis vachement bien. Bon, bah j'ai une autre pioche en diamant. On a deux pioches en diamant, frérot. Oh! Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est même très très bien. Solidité 3 et solidité 3 pour une pioche et une épée en fer. Why not? Oh! Why not là-dedans? Attends, là. Tiens, tu l'as pas toi, tiens, regarde. Oh, stylé. On passe par au-dessus du coup pour sortir. Si tu veux. Après, il y a toujours des coffres en dessous, hein. Juste c'est un peu plus dangereux. Ouais, et puis ils sont pas très utiles parce que. Oh, quoique, j'avais trouvé des bons trucs, moi. En fait, c'est les mêmes coffres qu'ici. On peut le tenter, hein. Ah, vrai, viens, on peut aller vers la maison là-bas. Là, il y a la petite maison là. Moi, je te propose ouais. MLG maison. Oh. Moi, je reste pas une seconde de plus ici. Direction la maison. Le chat, il s'excite, il arrive. On va mettre des trappes. Non, le chat. Non, il est parti. Adieu le chat. Oh, y a des bruits chelous. Youhou. C'est quoi ces bruits, frère? Il y a une grue ou quoi dehors? Ils sont en train de faire. Ah! Ah! Ça passe quoi? C'était Herobrine? Je crois. C'était Herobrine. Vous ne faites pas peur! Vous êtes que des poltrons! Vous êtes nuls! Oui. Putain, t'es bien moche toi, hein. Toi, on t'a bien raté la naissance. Waouh, hein. Regarde-le celui-là! Wesh. Oh, oh. Pierre.
Ah, c'est un villageois. Ouais. Oh ah, c'est une attaque spéciale. Allez, the man from the fog, viens. Non, on risque pas de... de pouvoir dormir, là. Et Robrien, il a ses yeux dans la pénombre, là-bas. Ah non, c'était un squelette. Par contre, j'en ai marre de les entendre en bas, là. Ils me font câbler un peu. Bon, au pire, viens, on va leur péter la gueule en bas, là, parce que... Ah. Oh, putain. Attends. Laisse-moi. Ah, merde. Va te faire foutre, bâtard. Ah, ah. À l'aide.